mes petites biches, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une petite absence de ma part, mais comme vous l'aviez vu dans ma dernière vidéo, je suis partie en Belgique pour un petit temps. Je suis partie 15 jours et là je viens de revenir et il faut que je me remette dans le bain. Et en fait je ne sais plus si je l'avais dit, je vous avais dit que j'avais une surprise, un secret que je devais garder. J'avais un petit peu dit ça sur les réseaux sociaux, d'ailleurs il y avait certaines personnes qui s'étaient vraiment demandé ce qui se passait. Et en fait ça n'avait rien à voir avec le blog, rien à voir avec la chaîne, rien à voir avec Harmonilu. Mais mon retour était une surprise pour plusieurs membres de ma famille. J'ai surpris ma maman, ma grand-mère, ma marraine, ma belle-maman et ma belle-sœur. Donc ça a été vraiment un choc, on va dire, pour tous ces gens de me voir arriver comme ça. Débarquer, hein. Coucou, je suis là. Et j'avais vraiment envie de filmer leur réaction. Du coup, j'ai fait ça avec mes acolytes, avec mon beau-papa, mon beau-frère, et j'ai compilé ça dans la vidéo qui va suivre. Donc voilà, c'est une toute petite vidéo, c'est juste un petit moment de bonheur que je vais aussi garder, moi, pour les mois et les années à venir, pour voir les visages des gens s'illuminer et voir le bonheur de se retrouver. Et j'espère que ça vous fera sourire aussi. Surtout n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. J'en profite pour vous demander qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne. J'ai déjà posé la question sur les réseaux et vous avez été plusieurs à me répondre que vous vouliez des vidéos sur New York, que c'était ça qui vous plaisait en majorité, voir des bons plans pour New York, des coins pas très connus, Pintou qui nous rejoint, ça c'est d'office. Non mais vous croyez quand même pas que j'allais la laisser faire une vidéo sans pointer. Donc maintenant je vous pose la question, qu'avez-vous envie de voir? Dites-moi tout en commentaire et moi je vous laisse avec la vidéo de la surprise à ma famille. Mes petites biches, le moment est critique. On est dans la voiture avec beau papa pour aller surprendre ma maman. Mais c'est très difficile d'aller la surprendre à la sortie de son bureau sans qu'elle me reconnaisse. C'est ma maman, donc elle sait me reconnaître de loin. Donc on a pensé à un stratagème absolument voilà, rocambolesque. Voilà. C'est-à-dire que je vais me déguiser en motarde. J'ai justement ma veste en cuir, j'ai des bottes de moto et le casque de moto prêté par beau papa. Et donc on va essayer de mettre ça en scène et je pense que ça va être drôle. Donc j'essaye de vous filmer la réaction avec mon assistant là. Voilà. Et puis ben, je vous montre si ça marche. Et donc je te dis, mais c'est vraiment, c'est sans problème. Et tu vas voir, à partir du moment où tu vas ouvrir les gaz, elle va partir toute seule, hein, tu n'auras pas de soucis. Hello, comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Moi je suis chaud, je me suis déguisée. Ah oui, voilà. Tu vois, je t'avais dit qu'elle allait dire ce que tu fais. Et ça ne t'a pas paru bizarre? Mais je me dis, mais je sais pas, moi.
il t'a pas dit avec qui tu pars? Bah, c'est possible, mais la moto elle est où? Ah, mais voilà. Franchement, on a loupé un élément essentiel. On a loupé, mais il aurait fallu la moto, mais bon, enfin voilà. Ça y est, maintenant on va surprendre ton ami. Voilà. Bonjour mamie! Mais c'est pas vrai, hein! C'est moi! Écoute, t'es venue faire ici! Je vais te dire bonjour! Bonjour, Jo! Comment tu vas? Ça va et toi, mamie? Tout d'un coup, ainsi? Bah oui, j'ai dit, oh, j'ai envie de voir ma méchante chapitre! Coucou mes petites biches, on est vendredi et il me reste une personne à surprendre, ma marraine. Je viens de faire 45 minutes de route pour aller chez elle et j'espère qu'elle est là. En fait, j'ai fait genre, oui, je peux t'appeler tout à telle heure. Elle m'a dit oui, ok. Et là, elle vient de me dire qu'elle était dispo. J'espère que ça veut dire qu'elle est chez elle. Sinon, on avisera. Donc, voilà. Et je suis toute seule. Donc, c'est difficile de filmer, mais je vais essayer. Let's go. Le stress est à son comble. J'ai peur qu'elle soit pas chez elle. Ou qu'elle ouvre pas. Ou qu'elle ait capté. Bonjour. T'es dispo? Et voilà pour cette vidéo un petit peu particulière, mes petites biches. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est pas du tout ce que je montre d'habitude sur ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas à me dire quelles sont les vidéos que vous voulez que je fasse. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, des trucs de New York que vous voulez absolument savoir, ou d'autres choses qui n'ont rien à voir avec New York? J'attends vos commentaires avec impatience. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et en anglais, et que vous pouvez regarder une autre vidéo en attendant la prochaine. Bisous mes petites biches, à bientôt!